D'accord. Ben, moi les chemins j'en découvre de plus en plus depuis que je suis à l'électrique. Hein. Parce qu'avant tu te disais merde, si ça va nulle part, faut revenir. Là en fait on se dit plus la même chose du tout. Hein. Sortie de 20 bornes à VTT avec les gambettes, ça devient vite 40 km avec un VTT électrique. T'as moins de courbatures, les vélos sont de plus en plus confortables. C'est ça. C'est marrant sur Strava, tu sais, t'as les segments, ah ouais, c'est pas sur Strava. Quoi. Non, ouais, mais tu peux les avoir sur Garmin. Bah, c'est vrai, sur Garmin, parce que tu prends, tu fais un compte de Strava, c'est gratuit. Après, tu synchronises ton compte Garmin. D'accord. Et à chaque fois que tu fais une activité que tu fais sur Garmin, tu balances directement sur Strava. D'accord. Et je trouve que Strava est plus sympathique pour suivre les activités. Garmin, c'est pas top. Hein. Ouais, Strava, tout le monde est dessus. Mais moi, je suis sur Runtastic. Ah ouais, c'est encore pire. Ah bon? Ah, ouais. Ah d'accord, donc Strava c'est pour toi c'est mieux, parce que je me suis inscrit à Strava, mais je me suis inscrit en gratuit, en mode unique, enfin en mode tout seul quoi. Donc je savais pas que je pouvais m'inscrire avec le compte Garmin. D'accord, mais faut que je regarde, ouais. Mais il faut mettre le widget ou un plugin? D'accord. D'accord. Par exemple, dans une droite, là, pour que ça passe au moins assez sur l'autre, c'est tout. Ah. Et tu peux travailler, mais tu utilises ça déjà existant. Et en fait, après, à chaque fois que tu passes, ça va te donner ton temps, le dénivelé, tes anciens records, enfin, tout ça. Quoi. D'accord. Et tu te compares avec tout le monde sur la planète. Oui, alors ça. Non, mais c'est intéressant parce que des fois, tu te dis, mais ça, c'est bien. Mais...